le fait qu'on est dans, comme le titre l'annonce, le Meshum, l'ultime révolte de Dieu, et qu'on puisse se situer... L'ultime révolte contre Dieu, voilà. Et comment nous, on peut avancer, pauvres cathos, ou pauvres êtres humains, dans ce temps du Meshum, et par rapport au monarque... pour lequel vous avez fait allusion dans une vidéo précédente. On est dans un temps qui est différent des autres temps. Les générations qui nous ont précédés, et même notre propre vie, pendant la première partie de notre vie, on n'était pas dans le temps dans lequel on est aujourd'hui. Il y a quelque chose de totalement nouveau depuis 2005. Depuis 1998 à 2005. Il y a eu deux fois 1290 jours entre ces deux dates. Deux fois, dans 7 ans. Et il va y avoir encore 2 fois 7 ans jusqu'en 2019, n'est-ce pas? Là, on est dans la Gay Pride, là. C'est clair et net. Et on le sent dans la... C'est vrai, ça parle, parce que tout le monde le ressent. Au niveau de la nature, au niveau de... la couleur du ciel au niveau de... Les couleurs ont changé, on s'en rend peut-être pas compte, c'est pas la pollution, hein. c'est les ondes scalaires, hein. on touche au champ morphogénétique de la nature primordiale de la matière, on trafique là-dedans, faut quand même pas l'oublier, on trafique aussi dans la cellule primordiale des sources de notre vie humaine. Et la source de notre vie humaine, comme la source d'ailleurs des champs morphogénétiques de la lumière qui constitue l'apparition du temps et de l'espace dans notre univers, cette source c'est quand même Dieu. Donc, on vient trifouiller dans des zones qui sont réservées à Dieu seul. Donc, c'est sûr qu'une humanité qui respecte pas, enfin qui respecte pas, qui veut faire basculer dans la confusion et le chaos, ce qui trouve son unité à l'intérieur de la créature de Dieu, c'est pas une humanité qui respecte beaucoup le créateur. Mais il se trouve que ce créateur est également père. Il se trouve que ce créateur n'est pas seulement créateur, il est aussi donateur de vie. Il nous donne sa vie. Et aussi, il se trouve aussi que ce créateur est ce père que nous aimons, qui nous aime, un échange d'amour. Cet échange d'amour constitue cette source primordiale que de ce que nous sommes. Et il n'est pas que Dieu, il n'est pas que Créateur, il n'est pas que Père. Il est aussi Providence. Il est aussi Providence, c'est-à-dire il pourvoit à tout. Alors, comme il est notre Créateur, nous l'adorons, comme il est notre Père, nous l'aimons. Et comme il y a une providence, nous lui faisons confiance, une complaisance éternelle dans l'instant présent qui illumine de l'intérieur chaque instant présent de notre vie. Il y a une complaisance, il y a une indivisibilité, il y a quelque chose d'indivisible en nous, et c'est cette indivisibilité qui se brise. Comme on brise comme ça un vaste albâtre, extrêmement précieux. Et voilà, alors il ne reste plus que quoi? Ça en exaltait les fruits de notre génération. Il leur reste quoi pour pouvoir respirer dans cette atmosphère, mes amis? Ça en exaltait, s'en réjouir, danser dans des Hellfest. Ouais, c'est le seul moyen. Dans l'abandon total de l'unité. C'est ce qui fait l'au-delà de l'unité et la racine de l'unité. Et il faut qu'il y ait un droit universel de rentrer dans le chaos. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a ces lois, j'allais dire, de renversement total de la nature d'amour et de lumière du corps. Et c'est pour ça qu'on peut s'en exalter et rentrer, se retrouver collectivement. Il y a une contrepartie, Père, quand même. Il y a des choses... Là, je recevais une vidéo hier... qui devient un peu viral, voilà, c'est le groupe Glorious dans la basilique de Fourvière là, qui chante Notre Père,
Et voilà, bah, j'ai encore versé ma petite larme, c'est un peu de votre faute d'ailleurs sur les larmes, parce que c'est grandiose, quoi. C'est un beau chant de louange des jeunes, de cette jeunesse, et c'est nouveau ça. Écoutez, quand on voit de toute façon un homme en blanc qui se lève et qu'il y a d'un seul coup, comme j'ai vu une fois, 5 millions et demi de jeunes qui sont là, qui se mettent autour de Saint-Père, et on voit ça, on s'y attend pas, je veux dire, on sait que c'est ça qu'on va voir à la télé ou je sais pas quoi, mais on le voit et ça nous détache de, ça nous détache de cette anesthésie de l'espérance. Mais on était tous au Champ de Mars, il y avait Jean-Paul II et on était tous à crier, moi j'y étais, hein. J'y étais, et puis il y avait 1 500 000 personnes qui criaient Jean-Paul II, nous t'aimons, et dans une ferveur, une émotion, quoi. Jean-Paul II, nous t'aimons, on était tous à crier comme ça, d'une seule voix. Il y a quelque chose de merveilleux, on n'est pas dans le méchaume là. Non, c'est sûr, on n'est pas dans le méchaume. Mais si, le méchaume fait que justement, on doit respirer ailleurs. Et dans quelque chose à quoi on ne s'attend pas. On est dans un temps où on est obligé d'aller respirer ailleurs. Alors, ou bien c'est l'enfer, ou bien c'est l'arc-en-ciel de l'alliance dans tout ce qui n'est pas humain et tout ce qui n'est pas sponsal. Et même on s'offre en victime, il y a des sacrifices rituels collectifs. Alors on fait des sacrifices rituels collectifs, ceux qui dansent dans l'embrasement. De Lucifer, du démon qu'on vient embrasser, quoi. En famille, en plus, hein. Voilà, ça, c'est le Bataclan. Et il faut qu'il y ait cette espèce de locaux, ce sacrifice rituel. Ce sacrifice rituel, et puis pareil pour cette danse extraordinaire de tout. Tout gender qui danse, et puis qui se fait massacrer, quoi, dans un holocauste collectif. Voilà, ça devient à ce moment-là une pierre. Une pierre d'une humanité nouvelle qui vient respirer ailleurs. Mais nous savons très bien que ça, c'est diabolique, évidemment, c'est le cas de le dire. On le sait, je veux dire, de toute façon, on n'a pas besoin de définir. Mais ce qui est diabolique, c'est ce qu'on en fait, parce que le fruit de l'intériorité, des enfants qu'on met au monde qui ont 5 ans, qui ont 15 ans, nos enfants et de nous-mêmes, hein, dans la jeunesse de notre cœur, toujours renouvelé dans la prière, et ben, au lieu de venir respirer dans la grâce du cinquième saut de l'Apocalypse, ben, il faut bien qu'on soit dans notre humanité d'aujourd'hui. Alors, on respire des parfums contraires à ceux du cinquième saut de l'Apocalypse. On est englouti. Il faut, et que les chrétiens considèrent, voient ceux qui sont en train de respirer, respirent un air, une atmosphère qui exige d'eux qu'ils quittent totalement le monde ancien, jusqu'à ce qu'il y ait le psychosime et chômage. L'air était encore respirable dans la nature humaine, le fond du cœur était bon. Mais maintenant, la grâce de Dieu prend les catholiques, les chrétiens, le corps mystique de Jésus, de manière telle que s'ils mettent toute leur ferveur à essayer de faire quelque chose qui est bien, alors ils rentrent dans un univers de tolérance, de l'insupportable. Et ils sont complices de l'insupportable. Et ils deviennent eux-mêmes les instruments du méchant. Et tout le bien, toutes les grandes constructions, les projets, les œuvres qu'on va faire vont servir à alimenter la nouvelle identité du monde à l'intérieur d'un méchant qui dispose l'Antichrist à rentrer en tous et en chacun d'un seul coup. Ça ne durera que 3 ans et demi, le règne de l'Antichrist. 1290 jours. C'est vrai. Mais en même temps, tout ça est quelque chose, c'est bien qu'il y en ait même quelques-uns, je ne dis pas tout le monde, mais quelques-uns qui aiment la toute petitesse royale, cette délicatesse, un roi, c'est extraordinaire. Enfin, je ne parle pas des rois d'Angleterre, je parle de... C'est royal, quoi. L'amour, c'est royal, c'est impérial, ça pénètre en dessous, ça enveloppe, ça pénètre.
Et ça reproduit la même source, à être à l'impli de toute chose, dans l'unité et l'indissolubilité d'un royaume de lumière, d'amour et de liberté totale, quoi. La royauté de la grâce, la royauté, Jésus, c'est... Jésus, c'est cette autorité extraordinaire qui rassemble les brebis dans une seule royaume de paix. Il a sa place depuis que Jésus est mort et ressuscité, depuis qu'il est là, dans la donation eucharistique des sacrements. Il a encore sa place, le royaume de Dieu. Et donc, il y a un chemin à trouver. Quel est ce chemin? Alors, on prend l'Apocalypse. À un moment donné, le chemin du monde ancien est bloqué. J'allais dire tout ce que cette recherche de la vérité, par exemple chez les frères métaphysiciens, on cherche la vérité à tout prix, tout prix, tout prix, et du coup on devient le fer de lance qui ouvre les portes du Saint des Saints pour que les abominateurs puissent rentrer dedans et briser, dévaster la paternité de Dieu dans tous les sens, sans exception. Les frères métaphysiciens catholiques, toute leur énergie, leur force, le don de leur vie, leur jeunesse, tout ça. J'ai pris à toutes ces jeunes filles, là. Cette famille, quoi, de l'agneau, cette famille de Dieu, de la famille Johannique, cette famille. Ça au service de l'Antichrist. Ça nous aide pas. En entier. Donc il y a un autre chemin. C'est pas la générosité. Hein? C'est pas la générosité, c'est pas la. On doit aller plus loin que cet amour primordial. Si cet amour primordial nous est donné, c'est pour qu'il puisse se surabonder dans la bonté. Dans la bonté de Dieu, se conjoindre, cet amour primordial se rejoindre dans la bonté de Dieu. Et à ce moment-là, être un regard de bienveillance. Être un regard de bienveillance sur les temps qui viennent. Et du coup, d'espérance, de confiance. Galates, chapitre 5, verset 5 à 5. C'est un regard de bienveillance et de confiance. Et qui fait que du coup, on s'ouvre à la lumière surnaturelle. La lumière surnaturelle qui nous inscrit à l'intérieur de la sève du livre de la vie, qui nous est interdit hein, depuis que le séraphin s'est mis entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Pourtant qu'on s'inscrive du coup, non pas dedans, la procédure, mais du dedans, hein, de sa racine, sa source, sa sève. C'est ça la foi, parce que je rentre à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur, de ce qui vivifie de l'intérieur le Verbe de Dieu dans la croix de Jésus. Et à ce moment-là, être au Christ ne suffit plus. Il faut être du Verbe de Dieu. C'est ce que dit. Il faut lire l'Apocalypse. Il y a une nouvelle voie qui a toujours été. C'est parce que cette voie n'existait pas avant. Est-ce que ce que vous dites là... Mais cette voie est devenue nécessaire. Et elle est devenue la porte d'entrée unique. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de portes d'entrée dans la sainteté de la Jérusalem bénie, du monde vivant, Jésus vivant. Hein. Tandis que les portes se ferment. Première porte, deuxième porte, troisième porte. Père, je vous interromps une seconde, parce que là, est-ce que ce que vous dites là, ça ne nous met pas, nous, catholiques, dans la position du jeune homme riche Père, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Et puis on s'en va, parce que ces paroles sont trop dures, finalement. Parce que nous, on est de Jésus, on est du Christ. On comprend bien, quoi. Avec voilà, vous rendez compte que... la plénitude de grâce de votre christianisme, qu'est-ce que tu veux de plus que la messe, l'absolution, ben oui. La merveilleuse fruit des sacrements, c'est le malade. Mais il y a beaucoup de gens qui vont... Et aussi le fruit du sacrement de la sponsorité dans le mariage. Qu'une place en dehors de ces quelques péchés originels. Mais tout ça, c'est merveilleux. C'est toujours là, les portes sont toujours ouvertes. Mais il faut y accéder désormais par la porte d'entrée de la transverbération. Je répète, par la porte d'entrée de la transverbération. L'union hypostatique déchirée qui fait la source de tous les sacrements et leur déploiement dans le fruit. Désormais, on doit y pénétrer par la porte de la transverbération. La transverbération. Oh, combien de fois j'ai dit ça?
me rappellerai, je ne peux pas le dire combien de fois, des milliers, moi je suis prêtre, donc c'est normal dans la doctrine de l'Église. L'Église parle, les constitutions apostoliques des apôtres, la Didache, l'Évangile, les apôtres, les épîtres, l'Apocalypse. Voilà, si on devait résumer, hein, ça en fait quand même la Bible, rien n'est autre. Avant d'avoir embrassé et intégré l'embrassant d'amour chaque page, et il en faut des années. Et à Garabandal, la Vierge a pris la Bible des mains de Conchita. Elle a pris la Bible. Et en l'espace de 47 secondes, elle a tourné chaque page à embrasser. Attention, chaque page. Toutes les pages. La Bible à Conchita. Garabandal, c'est rien du tout, c'est une apparition. C'est chaque apparition, c'est un abîme extraordinaire. C'est qu'on explique ce qui se passe. C'est parce que la parole de Dieu, c'est. La parole de Dieu, c'est l'Apocalypse. La révélation. Il faut rentrer à l'intérieur de la sève. Et c'est long quand même. Oui, du haut du ciel. Voilà, du haut du ciel. Ceux qui sont dans la lumière de gloire de la vision béatifique, ils lisent la Bible d'une seule traite, si je puis dire. Vous voyez? Et d'autant plus délicieusement pour tous les hommes qui sont restés sur la terre, à leur place et à l'intérieur d'eux, en communion avec eux, qu'ils l'ont dévoré, quoi. Sur la terre, dans la foi. Il faut lire l'Apocalypse. La parole de Dieu est une nourriture. C'est une nourriture. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu la Vierge Marie dans un... C'est pas un français. Et elle pleurait. Je dis, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que je pleure parce que... Elle dit, il y en a des raisons pour que le ciel peut pleurer. Et la Vierge dit, elle pleurait parce que les jeunes de mon humanité d'aujourd'hui, les jeunes ne se nourrissent plus de la Bible, de la parole de Dieu. Alors ils vont lire plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, des bouquins, des romans, des machins. C'est terrible. Alors, bon, on n'a plus le temps, d'accord? Il faut aller très vite, très bien. Tap, tap, texto. Appel mobile. Plus vite tu tires, mieux c'est, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut très vite la Bible, très vite. Il faut que ce soit très vite. Une demi-heure de suite, la Bible. Alors, voilà. Donc, on fait un résumé. C'est ça le génie, quelque part, le génie de l'Église. On va résumer. C'est pas facile de résumer. Alors, pendant jusqu'au quatrième saut de l'Apocalypse, on a résumé en disant esprit de pauvreté, esprit de virginité, esprit d'obéissance. Voilà, résumé. Esprit, ça. Voilà, une pauvreté totale, une humilité substantielle. Esprit, donc c'est extraordinaire, c'est esprit contemplatif. Esprit d'obéissance. Esprit d'obéissance, c'est fou, quoi. C'est l'amour de quelqu'un d'autre qui brûle notre cœur. Et qui nous fait avancer à chaque fois. Dans la ferveur. Si je me nourris de ce qu'il y a dans mon cœur, je n'avancerai jamais. C'est l'obéissance, c'est l'esprit d'obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance, chasteté, virginité, spontanéité, c'est ça. Ça, c'est le résumé. On appelle ça le résumé. Les trois mots qui résument tout l'Évangile. Ah, et l'Église, ensuite, elle vient, puis elle dit, allez, cinquième saut de l'Apocalypse, et en fait, aussi premier saut, parce que ça rejoint le premier saut de l'éclosion de la première Église. Cinquième saut rejoint, bien sûr, l'alpha et l'oméga. Hein. Les cinq sauts de l'Apocalypse, les cinq secrets de l'Apocalypse, dans ces deux mots,
je dis bien l'alpha, parce que c'est là que, pour la première fois, les constitutions apostoliques, les successeurs des apôtres, les apôtres eux-mêmes, il va falloir quand même qu'on dise en un mot, en un seul mot, pour que le Saint-Esprit puisse se fondre à l'intérieur de ceux à qui nous demandons de parler, quoi. On prie pour eux, avec deux mots, qui sont des deux portes qui ouvrent la possibilité au Saint-Esprit si la personne l'a entendu. Parce que c'est des mots révélés, par le corps mystique de Jésus sur la terre. Ces deux mots, c'est quoi que donnent les conciles, tout premier concile? Ah, puisqu'on a l'intérieur des cathos chevronnés, là. Ces deux mots qui résument tout, quoi. C'est les deux portes. Voilà pourquoi on a deux papes. C'est ce que vous devez donner à un enfant avant qu'il ait commencé à parler. Chez les Hébreux, on l'a dit, je crois, une fois. Le ça s'écrit comme ça, en trois. C'est un chandelier à trois branches, comme ça. Une coupe à trois branches. Même. C'est écrit comme ça, le même. Alors que c'est beau, le même. La fécondité, qui va jusqu'à la fin. Alors que c'est extraordinaire. Écoute la parole, écoute le nom, la présence vivante de Dieu, écoute. Et dis, me voici. Alors écoute la présence vivante de Dieu. Et tu dedans dis, me voici. Et c'est la volonté éternelle d'amour de Dieu qui va alimenter de j'aime dans mon chemin. Ça, c'est l'hébreu, vous allez me dire. Quelqu'un m'a dit, vous dites de l'hébreu, est-ce que vous ne pourriez pas employer la langue française? Je dis, écoute, il vaut mieux un guignol qui parle juste qu'un académicien qui parle faux. Ben oui, quand même. Et puis après tout, c'est la langue de Jésus, c'est la langue d'Élohim, c'est la langue de Moïse, c'est notre langue. Et bon, eh bien, pendant le temps d'Israël, c'était ça. Écoute, la présence vivante de Dieu qui jaillit de la terre, de toi, dans ton « me voici » pour faire ta volonté. C'est-à-dire, « me voici » dans le lieu où moi, librement, je me livre en entier, mais complètement, dans l'instant présent, brûlé à l'intérieur, parce qu'un instant, ça peut être inerte, et sec, mais ça peut être vivant à l'instant présent. C'est le pouvoir de l'homme de rendre un instant présent vivant, lumineux, palpitant. Et dans cet instant vivant, ça, c'est une capacité de la mémoire de Dieu. C'est une de nos trois capacités. C'est d'animer l'intériorité du temps pour que ce soit capax eternitatis. Ça, c'est une force. On sent bien que la mémoire, c'est la victoire sur tous les instants présents. Et on a ce pouvoir. Et on a cette autorité sur le temps. À cause de la matière vivante, des dispositions sponsales du corps. Il faut reprendre possession. Hein, donc, je reviens toujours à ça. Du message de Jean-Paul II. Il faut reprendre possession du corps primordial de l'homme. Dès la signification de l'innocence du corps de l'homme, à la frontière même de l'acte créateur de Dieu dans l'homme, dans l'engendrement de l'homme. Et la liberté dans l'innocence du temps de l'homme. Reprendre le contrôle de ce que je suis, dans la matière intérieure, l'instant présent. Et au début, je le fais, c'est facile à faire, hein, puisqu'un enfant le fait avant de savoir parler. Donc c'est pas très difficile à faire, il n'y a pas besoin d'expliquer, puisque c'est tellement simple. Tu te fais prendre le...
tu fais le courant électrique, tu appuies sur le bouton, tu le fais, voilà. C'est les mots justes, c'est pas compliqué. Le Saint-Père nous l'a dit, c'est les mots justes. Donc tu fais l'acte juste, dans la contemplation juste, tu t'y engloutis, et tu dis, ah ouais, ça y est, ta présence, si c'était illuminé, mais dans la liberté, voilà. Reprenez ces mots-là, cette phrase-là. Vous la répétez, 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 intérieurement, intérieurement, intérieurement. Lumineusement, lumineusement. Innocemment, innocemment, innocemment. Librement, librement, librement. Substantiellement, substantiellement, substantiellement. Ah, et puis ça y est, vous l'avez fait. Ah, ça a duré, oh, dis donc, ça a duré 3 secondes et demie. Ah, mais c'est génial, ce truc-là. Mais c'est génial ce truc! Eh bien, la fois suivante, tu le fais durer 7 secondes. Puis après, ce sera 3 minutes et demie de suite. Saint Thomas dit que si tu fais 7, 10 minutes, allez, 10 minutes de suite, ça y est, tu as la maîtrise parfaite, quand tu veux, à partir d'aujourd'hui, de ton oraison, pour faire durer ton oraison dans une mission invisible du Saint-Esprit, qui ne soit pas une espèce de Ivan Mukta, tatiné, une oraison comme ça, où tu fais le vide. Une violence! Le royaume de Dieu appartient aux violents, et ce sont les violents qui l'embarrent. Et bien, c'est quoi les deux mots, là, pour entrer là-dedans? Que l'Église, voilà, les chevronnés, là, vous savez, tous des consacrés, prières, des brûlants d'amour, de Dieu, l'élite de la chrétienté, le sommet de l'école le plus sublime, le plus suprême, les plus épurés, quoi. C'est quoi les deux mots? Alors, j'aime toujours dire ça parce que j'ai toujours un peu honte de répéter, parce que c'est quand même ce qu'on donne à un enfant. On dit plus Chine même maintenant à un enfant. Enfin, chez les cathos, j'ai jamais vu. Dommage d'ailleurs. À la place de Chine, il faut dire, c'est les conciles, hein, les trois premiers conciles de l'Église. La première fois où le constituant apostolique a pu parler. Hein, et ben je mange mes mots. La première fois où les constitutions apostoliques ont pu parler. Je vous demande pardon si je vous ai fait de la peine. En prononçant, en bouffant mes mots, de manière que vous ne compreniez pas, et en disant, j'ai bien dit tout ce que j'avais à dire, mais eux, ils n'ont pas entendu. Voilà, c'est pas mon but. Donc, le signe, c'est quoi? Le même, c'est quoi? Le signe, c'est dans l'incarnation. L'instant de l'incarnation de Jésus, de Dieu, qui assume en Marie le plus nectar biologique, totalement surnaturel, divinisé, transformé, qui trouve dans Marie, à partir de l'au-delà du dispensaire, son dispensaire à la chose. Il l'assume, Dieu l'assume, voilà, d'ailleurs, de son bereshit, c'est-à-dire son puissance primordiale de créateur. Et il se constitue une nature humaine. Aussitôt, il se trouve lui-même à l'intérieur de ce qui est intérieur à son union hypostatique déchirée. Le premier mot, c'est union hypostatique déchirée. C'est la première lettre de l'alphabet catholique, c'est ça. Union hypostatique déchirée. Chine, dans l'incarnation, dans la coupe. Jaillit l'union hypostatique, vous voyez, hein? C'est comme ça, Chine, hein? Un truc comme ça. Ça, vous avez vu la lettre Chine? Ben, la lettre Chine, c'est comme ça. Bon, en cursif, c'est comme ça. Mais c'est l'éternité de Dieu qui rentre dans tout le temps. Et aussi dans l'éternité. Et quelque part, bizarrement, le même, en lettre carré, à peu près la même forme. Mais en carré. Et le même, c'est quoi? Le même, c'est... c'est un autre mot. Le même, c'est... On vous entend, la fécondité de Maria, la fécondité de Marie, la fécondité divine, même. La paternité est enfouie dedans, dans le oui, hein, du même. Dans cette disponibilité du même, il y a
Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est transverbération immaculée. Alors, si j'avais à résumer, moi, l'évangile de l'Apocalypse, je dirais, il faut d'abord entrer dans ce que ces deux mots révélés par l'Église à ses enfants. C'est les deux mamelles de notre vie surnaturelle dans les sept sceaux de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que le Verbe de Dieu passe par des mots. Ces mots réalisent ce qu'ils signifient lorsqu'ils sont reçus à l'intérieur de nous. Oui, moi, j'y comprends rien, je ne sais même pas ce que ça veut dire, transverbération. Ah ben oui, mais moi, je ne sais rien, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, union hypostatique. Hypostatique, c'est quoi hypostatique, hein? Ça, on en a parlé pendant une heure. Hein. Mais on a déjà parlé d'union hypostatique. Union hypostatique déchirée, transverbération immaculée. Voilà, ça, c'est les deux mamelles. Si je pouvais balancer l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, dans l'indissolubilité de l'unité des deux, dans le fond du Saint des Saints, de mon humilité parfaite, c'est-à-dire de disponibilité à Dieu, accompli, plénitude reçue. Là, il y a un monde fulgurant qui apparaît. Une tempête surnaturelle, une colère, hein, si je puis dire. C'est-à-dire une violence véhémente de la mort de Dieu qui se répand immédiatement dans toute la nature humaine à partir de moi. Je suis seul à favoriser, c'est tous qui reçoivent ces espèces de temps de l'intérieur, comme un germe, une capacité à venir exploser dans chacun d'entre eux, depuis Adam jusqu'à Osa. Je suis responsable de cette irradiation, cet embrasement de la nature humaine tout entière, pas seulement de moi. L'union transformante ne concerne pas que moi tout seul, qui fait raison. C'est ça le secret de la cinquième demeure. Donc les deux mots à se retenir, qui fait qu'on est sûr que si on est dans ces deux mots, c'est absolument certain, on est au-dessus du bouddhisme. On est au-dessus de l'hindouisme. On est au-dessus du parapente. Non, mais c'est vrai, on est au-dessus de la glisse, on dit. Hein. On dit la glisse, on est au-dessus de la glisse. Parce que par rapport, ça fait partie de la glisse, c'est tout l'univers de la glisse. Quoi. Tu glisses, là, bon, tu peux t'en toucher. Quoi. Bon, allez. T'es au-dessus, tu vois, t'es au-dessus de l'ésotérisme, t'es au-dessus de tout, t'es au-dessus de l'extase islamique, quoi, de la soumission à Dieu, quoi. T'es au-dessus de tout ça. Si tu n'as pas ces deux mots, tu es au même niveau que les autres. Tu es en dessous du niveau de la mer. Voilà le message des conciles. Et la révélation se donne par des mots. Ces mots ne sont pas à la portée de l'homme parce qu'ils sont révélés par Dieu. Ils sont assimilés par celui qui est l'enfant de Dieu, qui ne sait pas encore parler, et qui va prononcer ces mots. Et à force de les prononcer, ces mots vont réaliser ce qu'ils signifient à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit va les réaliser dans leur signification incarnée, divine, lumineuse et féconde, dans la liberté du don. Mais il faut que je me nourrisse des deux mamelles. C'est ce que dit Saint Paul dans l'Épître, je vous ai donné le lait. Vous n'êtes pas encore capable de la nourriture solide. Alors, les deux gouttes de lait, c'est union hypostatique déchirée, transverbération immaculée. La transverbération immaculée, vous vous rendez compte, ce passage de l'union hypostatique déchirée jusqu'à la cinquième demeure, à la transverbération immaculée glorifiée. Voilà, les portes de la cinquième demeure jusqu'à l'accomplissement de tout. Ce mélange comme ça, dans un mélange prodigieux pour faire l'ouverture des temps. On appelle ça le baiser du véritable amour. C'est les deux lèvres, voilà, qui font les lèvres de l'homme, sur lesquelles l'ange a mis le doigt pour qu'il soit silencieux, mais d'un silence habité, sans limite et sans fin, dans le miracle des trois éléments. Il faut se rappeler ça, il faut noter ça, il faut s'inscrire ça. Il faut que mon enfant, lorsqu'il est conçu, lorsque je conçois un enfant, je l'ai déjà dit, je vous donne, il y a 800 millions d'applications, ce que je viens de dire, 800 millions d'applications. Mais par exemple, je suis papa, je suis maman. Comme dit le Saint-Père, Jean-Paul II, toujours.
l'Église, les papes, et la création tout entière appellent l'homme et la femme à prendre en main leur responsabilité dans la liberté du don. Ah, bien sûr, on donne la vie. La paternité et la maternité sont responsables. Mais dis donc, entre la transactuation sur notre responsable, à l'intérieur de laquelle, lorsque dans l'union transformante des trois dernières demeures, des grands, les quatre premières, je m'épanouis que se réalise justement la fécondation. J'ai toutes les dispositions, là, de la responsabilité surnaturelle de l'homme à leur image ressemblance de Dieu. Au-delà des séquelles du péché originel, c'est là que je deviens responsable. Et à ce moment-là, du moment où il y a cette fécondation, dans ce climat-là, et que je vais jusqu'à la création de l'âme dans le génome, il y a 19 heures, si c'est dans une éprouvette. C'est pour ça que c'est plus long. Je pense que pour faire un saint, ça doit être plus difficile quand on passe par les prophètes. Mais il y a quand même 300 000 de nos gosses en France qui sont venus, qui sont intégrés dans une éprouvette. Bravo, hein, bravo pour la responsabilité des parents. Là. Là, ils peuvent aller au Hellfest. Hein. Allez-y, hein, vous êtes chez vous là. C'est honteux. C'est honteux. Parce que cette disposition-là. Bon. Lorsque ça se passe dans leur raison, l'action de grâce, la fécondation, il y a la présence créatrice de Dieu qui tournoie, j'allais dire, dans le recueillement, qui devient le tabernacle hein, du recueillement de cette transactuation sur notre responsable. Et nous, on est là, on est là, on est là, on est là. Et ça produit, j'allais dire, un climat dans le Saint des Saints. On va rentrer dans le Saint des Saints, on se prépare à rentrer dans le Saint des Saints. Avec la sagesse créatrice de Dieu, c'est-à-dire le Bereshit, la présence du Bereshit dans notre unité spirituelle transactuelle. Et à un moment donné, le génome apparaît. Ça y est, l'âme est créée. L'âme est créée dans une disposition surnaturelle parfaite. Et vous croyez que cet enfant conçu comme ça sera le même que l'enfant conçu autrement? Et si on va jusqu'au clonage, alors je ne vous dis pas. Il faut une paternité responsable. On ne peut pas dire, voilà, c'est naturel, c'est biologique. L'homme, la femme, le mariage, tata, qu'on a beaucoup d'enfants, on donne beaucoup d'enfants au bon Dieu. Mais oui, attends. La paternité responsable, la maternité responsable. Les enfants sont ce que, avec Dieu, nous leur donnons. Et alors, on donne quoi? Eh bien, lorsque on murmure la transactation sur notre responsable. Dans l'union hypostatique de Jésus, la transverbération immaculée, hein, parce qu'on murmure ces trois en un, en trois, pendant une heure, pas plus, après la fécondation. L'enfant est conçu par Dieu et s'épanouit. Et ça donnera le roi d'Israël. Ça donnera la sainteté du nouvel Israël de Dieu. Dans un être humain. Ça fera un Gédéon, quoi. Ça fera des 300. Hein? Il ne se mettra pas à quatre pattes comme ça, dans la flotte, pour... Non, il restera debout. Les pieds à terre, couvert dans le temps, pourtant, dans lequel il est, couvert d'eau. Il prendra dans sa main l'eau. Il l'amènera jusqu'au visage. Il lapera l'eau dans les deux mains, de la droite et de la gauche. Vous voyez, dans l'indivisibilité de la sainteté humaine et la sainteté surnaturelle de Dieu. Voilà, il y en a 300 qui ont vécu, qui ont pris ça, des choses comme ça, restant debout. Au pied de la croix, vous voyez, dans l'eau. Voilà, c'est sans cela que Dieu dit à Gédéon, celui-là, tu le prends. Les autres, on leur demande une seule chose, c'est qu'ils sont liés, ils sont prêts, ils vous aiment. Ils sont indissolublement liés à vous. Voilà.
Et bien ça, je m'excuse là aujourd'hui avec cette manière de parler. On a donné, on peut donner, on peut trouver, j'allais dire, une voie, je ne dis pas une méthode, mais une voie d'accès pour s'introduire dans le sein des saints. Si nos parents ne l'ont pas fait, ça pour nous, à notre conception. Mais voyons, j'ai la capacité dans le fruit des sacrements de venir m'abreuver du fruit des sacrements, parce que le sacrement de mariage se célèbre dans tous les sacrements de mariage qui ne se sont pas réalisés dans la transaction naturelle, le fruit de ce sacrement. Et je peux célébrer moi-même à l'intérieur de ma liberté dans l'ordre du temps, la même réalité, dans l'instant présent, rendu visible, rendu vivant, rendu palpitant, rendu fécond. Dans cette capacité humaine qui est la mienne, je peux rendre présence l'instant présent, dans l'instant présent de ma création, et je peux très bien, de là, faire rentrer dans cet instant présent ma conception toujours présente, tout ce que mes parents n'ont pas fait. Tous les fruits, sacrement de mariage, tous ces fruits, et dans toutes les messes aussi qui auraient dû être célébrées, qui n'ont pas été célébrées, je peux célébrer dans le fruit de ce sacrement, dans ma mère et à tous les sacrements, toutes les eucharisties qui auraient dû être célébrées, qui n'ont pas été célébrées, et qui se célèbrent dans le fruit des sacrements. Et je deviens le sacerdoce royal, là, dans l'instant présent du temps, dans le corps originel de l'homme. C'est ça la sainteté de la France. C'est ça la sainteté, je veux dire, qui est demandée. Quand je dis la France, vous comprenez bien. C'est le fruit de l'olivier franc, du mystère de l'huile sainte, de la vigne dans l'olivier franc. Au milieu de la vigne, il y a un olivier, quoi. C'est le fruit du mystère d'Israël, du peuple de Dieu. Voilà, et ben. Il y a une sainteté. Aujourd'hui, il faut qu'elle s'épanouisse à l'intérieur du cinquième sceau de l'Apocalypse. Le monde ancien est fini, je veux dire. C'est pas que les portes soient fermées, mais le méchaume a pris le temps du méchaume est vraiment accompli, de sorte que on pourrait presque dire que les portes se sont fermées désormais. Et qu'il faut percer, j'allais dire, la voûte des temps pour entrer dans ce qu'il y a, dans les temps qui viennent, pour le recueillir dans l'instant présent, avant que ces temps n'explosent, par anticipation, par appropriation, par puissance, dans la même réalité. Ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas notre foi qui peut faire ça. C'est à l'intérieur de notre foi. Ce n'est pas notre charité qui peut faire ça en aidant les Syriens, etc. C'est très bien, il faut aider les Syriens. Il faut les aider, c'est en allant, oui, en allant, nous engloutissant à l'intérieur de la nature humaine. C'est facile aujourd'hui parce que le poids intérieur, le poids lumineux, le poids d'innocence de la nature humaine, du point de vue du nombre en tout cas, de la qualité, de la substance, sont du côté des enfants avortés. On est 7 milliards de survivants, mais quand même, 153, j'aime bien dire ça, milliards, depuis 40 ans, c'est énorme. Ce sont nos enfants, donc nos enfants, si je ne suis pas capable de descendre dans le cœur de mes enfants pour une paternité, une maternité responsable, catholique, je veux dire, c'est que je ne suis plus catholique, je ne suis plus. Et je ne sais pas comment on fait, moi. Attends, et le péché originel, hein? Ils ont besoin de toi, hein? Ils ont besoin de toi. Et ils palpitent encore, ils ne sont pas tout à fait morts, hein, nous l'avons dit. Hein, aujourd'hui, c'est découvert. On est dans les temps où on sait que ces enfants avortés ne meurent pas. On le sait. On a parlé de Jeanne d'Arc déjà. Le cœur Jeanne d'Arc n'est pas mort. On a tout fait, brûlé, noyé, pourri, tout ce que tu veux. Ah, toujours là. C'est le cardiaque, elles sont toujours palpitantes, vivantes, lumineuses, glorieuses, je veux dire, humaines, voilà.
tu vois. Et ces enfants, c'est pareil, ils ont des cellules staminales, ils ont des cellules physiques, ils ont un génome, ils ont le support corporel de la même orientée qui est encore là, dans la moelle osseuse de leur mère pendant 40 ans. Professeur Mancuso, qui nous a éclairé là-dessus en 1996. Depuis longtemps, c'est... Donc, du coup, voilà, c'est formidable. Donc, ces enfants sont... Et donc, ils peuvent être baptisés. Alors, qui va s'occuper de les baptiser par les parents qui, pour eux, ces enfants n'existent pas. C'est pas la masse cellulaire, c'est pas plus que... Donc, c'est aux catholiques qui, dans le corps originel de leur mémoriadée, peuvent rejoindre leur mémoriadée, toujours palpitante et vivante, pour faire surgir les flots ininterrompus de la grâce surnaturelle et divine qui les justifie dans le nom qui va être inscrit pour eux eucharistiquement dans le feu incré et brûlant de Jésus immolé dans l'Eucharistie. Ils sont engloutis du coup dans l'Eucharistie et eux, ils vont vivre du fruit des sacrements. Et donc, c'est dans leur mouvement à eux qu'on va rentrer. C'est si simple pour eux de vivre de ça. On va petit à petit, à les aimant, quand vous aimez quelqu'un, vous finissez par rentrer dans la manière d'aimer à eux. C'est pas dans votre amour que vous allez leur donner de l'amour. Vous n'avez aucun amour pour eux. Où est-ce que tu vas trouver de l'amour? Les gens pensent qu'aimer quelqu'un, c'est prendre beaucoup d'amour et puis leur donner de l'amour. Mais ça, c'est de la pédérastie, ça. On n'aime pas quelqu'un par derrière. Je t'aime, je te porte dans mon amour. Allez, hop. Viens t'asseoir sur ton trône. Non. Ah. C'est face à face, je veux dire. C'est dans le surgissement de la nudité immaculée. Quoi. Immaculée, immaculée. Il y a un sanctuaire quand même. Dieu est là, enfin. J'en ai marre à la fin.